Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo prépa. Vous avez adoré la Dualtron Mini que je vous ai fait avec les freins à disque à l'avant-arrière. Un client qui était venu chez Fast Ride et je vous ai présenté cette Dualtron Mini. Et ben, on va rester encore sur les Dualtron Mini. Vous savez qu'en ce moment, les Dualtron Mini, c'est la trottinette qui se vend le plus en ce moment sur le marché parce qu'elle a un design énorme. Malgré que ça soit une vraie passoire quand il pleut. elle plaît énormément du fait de son design. Donc, je vous ai présenté la Dualtron Mini avec des freins à disques et des pneus 10 pouces. Et maintenant, je vais vous présenter une tuerie, une Dualtron Mini, une bête de course. Franchement, on va faire des runs après contre une Victor ou autre. On va voir qui va gagner. Donc, c'est une Dualtron Mini bimoteur qui a été préparée par Bastien. Bastien, c'est... je te laisse te présenter. Bonjour Bastien. Salut, t'as quel âge à peu près? J'ai 27 ans. 27 ans, donc Bastien, 27 ans. Électromécanicien. Ouais. J'ai préparé cette Dualtron Mini double moteur. Donc, je vous ai fait ma chaîne YouTube, Dual Mini Bastien, où j'ai présenté tout comment j'avais fait exactement pour modifier donc, les batteries, etc., etc. Mise en place du moteur, découpage du deck pour pouvoir faire rentrer une plus grosse batterie. Montage de l'ensemble de la trottinette pour pouvoir atteindre à la base c'est prévoir 100 km/h, mais avec une batterie 60 volts c'est impossible. Vous imaginez 100 km/h en Dualtron Mini. Donc je mettrai dans la description de la vidéo tous les liens. Donc Bastien a une chaîne YouTube, vous verrez tout ça dans la description. Il a un groupe Facebook où on peut suivre toutes les préparations, toute l'évolution de son projet. Parce que si j'ai bien compris, c'est la première étape de son projet qui est déjà exceptionnelle. Mais il n'atteint pas encore les 100. Et son but est d'atteindre les 100. Donc, on va découvrir avec lui sa Dualtron Mini. Il va nous parler, je vais le questionner. Et puis voilà, c'est parti. Le guidon, t'as rien changé? J'ai rien changé. Non, j'ai rien changé. La seule chose que j'ai rajoutée, donc c'est une poignée zoom avec capteur magnétique pour avoir le frein à l'avant, donc qui est branché. Donc le branchement est très compliqué à l'intérieur. Enfin, c'est pas compliqué. Donc c'est deux contrôleurs Dualtron Mini d'origine que j'ai modifié pour pouvoir les passer en 60 volts. Donc il y a une manipulation à faire. Il faut remplacer les condensateurs de charge pour pouvoir encaisser la tension. Alors, on va prouver tout de suite que tu es bien dans 60 volts. Tu vas nous allumer et nous montrer le voltage. Voilà, 62 volts. Parce que déjà, je connais déjà certains petits trolls qui modifient tout ça et qui nous disent maintenant, c'est pas vrai, c'est pas possible. Donc, tu as pris deux contrôleurs de Dualtron Mini qui encaissent le 60 volts. Oui. En vérifiant bien sûr que le condensateur et le contrôleur est viable. Ouais. Par rapport aux MOSFET. Donc là, d'origine, c'est des MOSFET 85 volts. D'accord. Donc on peut aller, il y a 20% de tolérance sur les condos et les MOSFET à peu près. Donc il faut rester dans une limite de tolérance. Et les condos, donc d'origine de la Dualtron Mini, sur mon contrôleur d'origine, c'était 280 volts. Donc il pouvait encaisser du 60 volts d'origine, mais il faut quand même les démonter pour vérifier. Parce que quand j'en ai commandé deux autres, parce que j'en ai cramé un dans les essais, quand j'ai voulu le démonter pour vérifier, les condos d'AliExpress et de chez Mini Motor France étaient en 60 volts. Donc ils ne pouvaient pas encaisser du 67 volts chargé à fond. D'accord, ok. J'aime bien ton manteau. Il est beau. Hein. C'est hors sujet. donc voilà, donc ok, deux contrôleurs du Dualtron Mini. Après tout le reste, donc t'as rien changé, t'as fait tous les passages de câbles. Et là, on arrive vraiment dans le lourd. Donc, ce que je peux voir déjà, c'est que tu as gardé deux freins à tambour. Donc, c'est deux moteurs de Dualtron Mini, c'est d'origine, ça hein oui. D'origine, ouais. Deux moteurs Dualtron Mini avec des freins à tambour, ce qui est très, très bien. Tu as l'intention de changer ça ou tu es satisfait du frein à tambour? Parce que là, tu as deux freins électriques quand même. Voilà, il y a deux freins magnétiques. Donc, je suis satisfait des freins à tambour. Après avoir pour passer du disque, mais comme ça freine parfaitement pour 70 km/h. D'accord, ouais, c'est ça, c'est ce que je me dis, deux freins électriques, deux freins à tambour, etc. Donc, t'as mis quoi comme pneu? Parce que c'est du 10 pouces, c'est pas des pneus qu'on a l'habitude de voir à l'avant et à l'arrière. C'est du 10 par 225 exactement. Et donc c'est du pneu exactement AliExpress, Wish, il y en a partout. Ouais. C'est du pneu qui se monte pour les kits 10 pouces Xiaomi. Xiaomi. En fait, comme j'avais une Xiaomi et que j'avais fait la modif, ouais. Ça passait très bien.
Donc tu as bien protégé tout ça avec des petites gaines et tout pour que ça soit propre, ça fait pas dégueulasse. Tu es dans les règles. Oui, j'en ai mis plein, même sur les côtés. Ouais, ouais, là, ouais, voilà. Tout ça, là. Le seul truc, c'est que les feux arrière, ils ont cramé. Ah, tes feux arrière ont cramé. Ouais, bon, ça, c'est des choses qui arrivent. Pneu Xiaomi 10 pouces, il a gardé les moteurs de DT Mini. Rondelle Thunder, bien sûr. Voilà, Rondelle Thunder, bien sûr. Pourquoi ? Donc, ce qui nous parle de Rondelle Thunder, c'est ici, pour pouvoir désaxer le moteur, pour pouvoir le reculer, pour que la taille des pneus 10 pouces passe et ne frotte pas. Voilà, avec le petit trou de 0,5 de décalé. Voilà, pour pouvoir maintenir le tambour. Donc, il a percé un trou, voilà. Et je vois que tu as un surdeck. Donc, alors, qu'est-ce que tu as fait dans cette batterie ? Tu as gardé, t'as acheté une nouvelle cellule ou... Alors, en fait, j'avais ma batterie d'origine quand j'avais acheté la trottinette. Ouais. Et donc, j'ai racheté une batterie d'origine, donc ouais. 52 volts 13 ampères. Donc, j'avais deux 13 ampères que j'ai modifié. Donc, j'ai tout démonté, tout désassemblé. Ça m'a pris quelques jours. Alors, tu veux dire que chaque cellule... La batterie, tu l'as désossé entièrement. Et tu as refait les soudures et tout ça. Les soudures, voilà. Donc, ah ouais, donc tu as un niveau de maîtrise quand même qui est très élevé. Voilà, quoi. J'ai acheté, pas forcément, après c'est en regardant des vidéos YouTube, en se renseignant à droite et à gauche, mais vraiment... Ah, t'es vraiment autodidacte, t'as fait tout seul en regardant les vidéos YouTube, t'as pas eu de formation ou quoi que ce soit. J'ai ma formation de base, donc moi je suis électromécanicien, je répare tout ce qui est Makita, électroportatif, etc. Ouais. Dans le bâtiment, etc. Donc... c'est du brushless, moi c'est aussi du brushless. La batterie, il faut connaître quand même les caractéristiques de la batterie qu'on utilise pour pouvoir faire ce qu'on veut. Ouais. Donc je me suis bien renseigné avec donc le fabricant de la batterie d'origine, donc qui est Zinc batterie, pour savoir la capacité réelle des batteries, pour savoir la décharge maximum des batteries. Des batteries, ouais, c'est ça. Voilà, pour pouvoir faire une batterie qui pourra encaisser les deux contrôleurs. Et donc d'origine, c'est une 14S 5P. Donc, il peut décharger. Donc, explique aux gens ce que c'est, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, ils doivent savoir. 14S 5P, ça veut dire quoi ? Voltage, ampérage ? Alors, 14S 5P, c'est 14 groupes de cellules. Oui. 14 groupes de 5 cellules. C'est ça. Ce qui fait 52 volts, 58 volts, avec une décharge. Donc, les cellules zinc, c'est une décharge max à 7,8, donc 7 ampères max. Mais on les décharge, on n'y va jamais autant. Mmh. C'est pour ça que c'est des BMS 30 ampères d'origine. Mmh. Donc pour des contrôleurs 25 ampères plus les LED, on est équivalent à 30 ampères. Et donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai assemblé une 16S 8P. D'accord. Donc 16S 8P, donc ça veut dire 60 volts. Combien d'ampérage ? 20 800 milliampères. Donc on arrondit à 21. Voilà. Mais sachant que c'était quand même des batteries d'occasion, donc un peu utilisées. Donc il faut réduire un peu l'autonomie quand même, il faut réduire un peu... j'ai pas testé chaque cellule pour savoir combien de milliampères elles étaient exactement. Tu les as pas équilibrées forcément. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout mélangé et j'ai pris 4-4 pour équilibrer à peu près les groupes de cellules. Alors, c'est très 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 technique, mais ça fait plaisir. Hein. On voit que tu t'y connais et que tu fais pas n'importe quoi. Et donc, le plus compliqué, ça a été de rentrer cette batterie dans le deck. Ouais. Donc de mesurer, de prévoir l'épaisseur de la réhausse de deck qu'il fallait fabriquer. Tu les as positionnées comment ? Parce que d'habitude, elles sont couchées. Là, alors, tu les as mis debout. Je les ai mis debout. Et on pouvait faire plein de techniques, plein de façons. Moi, la meilleure façon, après, c'est pas très... Comment dire ? C'est pas très bien parce que j'ai les fils du BMS qui passent sur... sur les trucs, mais bon tu sais que la plupart des batteries ça passe par-dessus, mais vas-y. Ouais, c'est ce que j'ai vu aussi sur certaines que j'ai démontées, ça passait aussi. Ça passe au-dessus. Donc j'ai bien protégé, donc moi j'ai fait 4-4 collé et j'ai fait groupe de cellules en faisant un serpent quoi. D'accord, ok. Ouais. Avant toutes tes modifications, tu l'as acheté neuf d'occasion ? J'ai acheté neuf début avril. Début avril ? Je l'avais payé 909 € chez je sais plus où. Et donc là, avec toutes ces modifications, juste en pièces, tu l'estimes à combien ? Alors, en pièces, juste les modifications, en comptant le chargeur, comme ça, j'en ai eu pour 1 405 €. D'accord. Sachant que j'ai cramé un contrôleur, donc d'accord. En modifiant le support des MOSFET. D'accord. Parce qu'il fallait remettre des vis sans le refroidisseur. Alors, 1 400 en plus des 900 ou en global ? Global, total. En global, total. Donc 1 400 500 € en plus. Ça, c'est sans compter, par contre, toute ta main d'œuvre. Et les heures de réflexion et de plan. C'est ça. Pour pouvoir monter ça. Mais ça, c'est le plus long. Et t'as l'intention de quoi ? D'en faire un commerce ? D'en le proposer à d'autres personnes, si certains le souhaitent Moi, parce qu'il y en a beaucoup qui vont te contacter là, après la vidéo. J'ai déjà sur Facebook une annonce de réparation de trottinette. Donc voilà, pour aider. Moi, c'est surtout pour aider les gens qui n'y arrivent pas, les dames qui ont des pneus à changer, des choses comme ça. Dans ma région, il n'y a pas de magasin de trottinette.
trottinette. Ouais, c'est ça. T'es dans le. T'es où? 77 vers Melun. Ah ouais, ouais, c'est loin, c'est très loin. Voilà, il n'y a pas de magasin de trottinette, donc j'essaye d'aider les gens. Je suis pas cher, je suis pas là pour voler. Mais non, je compte pas faire un commerce. Après, s'il y a des prépas particulières sur des trottinettes particulières, Xiaomi, etc., je dirais pas non. Ouais, c'est ça. Parce que là, oui, effectivement, ça t'a coûté 1400. Faut pas que les gens pensent que ça va leur coûter 1400. Parce que, oulala, je suis pas cadré du tout. Donc oui, là, ça lui a coûté 1400. Mais c'est vrai qu'il faut pas vous dire que ça va vous coûter 1400 euros. Parce qu'il faut là, quand même... minimum 500 euros de main d'œuvre. Voilà, c'est minimum. Ça. Il y a la main d'œuvre, donc allez, on va dire 1900 minimum. Voilà. 1900 là, minimum. J'ai pris mon plaisir, j'ai pris mon temps, je ne me suis pas pressé. C'est même ça. Si j'ai fait assez vite, tu l'as... j'ai reçu toutes les pièces au même moment. Ouais. Tu l'as pesé ou pas? Non, justement, ça serait non. bien de la peser. Bon, on va la peser. 127. Donc ça fait 27 kilos, 27, 28 kilos. T'sais, on est obligé, au bout d'un moment, les gens ils comprennent pas. Souvent, ils sont là, ils me disent « Ah, je veux une trottinette, Jeff, qui roule à 70, qui pèse 20 kilos. » C'est impossible. C'est impossible. Voilà, c'est impossible. T'es d'accord avec moi, mais ils comprennent pas parce qu'il y a les moteurs, ils veulent deux moteurs. Le moteur, c'est lourd. La batterie, c'est pas possible, les gars. Tant que chaque cellule pèse à peu près 50 grammes. C'est ça. 50 grammes fois 126, 128 là. Ouais. Vous calculez, hein, ça fait déjà une batterie qui fait quand même quelques kilos. Les moteurs, ils font à peu près 1,5 kg. Donc c'est vrai que ça augmente vite au fur et à mesure le poids. Pour faire la rehausse, j'ai utilisé une plaque de PVC parce que j'ai pas trouvé quelqu'un qui pouvait me faire en extrêmement vite une rehausse d'une certaine dimension en imprimante 3D. Donc du coup, j'ai commandé un bout de PVC, une plaque de PVC de 2 cm d'épaisseur. Et je l'ai commandé pile à la bonne taille, et après à la meuleuse, en fait, je suis venu à la meuleuse et à la perceuse, je suis venu le découper à l'intérieur pour faire exactement la taille qu'il me fallait, la place à l'intérieur. Et puis je l'ai fini avec un petit vinyle par-dessus pour l'esthétique. Bon, au niveau esthétique, elle n'est pas finie, hein. Il y a 2-3 trucs encore à terminer. Mais voilà. Alors, donc on a parlé du coût, tu penses qu'il y a au moins 500 euros de main-d'œuvre, mais en temps, en heure, bon là c'est la première, mais. Ouais. T'as passé quoi, plusieurs jours Déjà, en fait, le plus long, ça a été... En fait, si je fais ça avec des cellules neuves, ça serait plus facile. Ouais. Le temps qui m'a pris, c'est que j'ai passé vraiment 2 jours à démonter les batteries. Parce que toi, il faudrait que ça te coûte le moins cher possible. Voilà. J'avais pas énormément de budget et je voulais faire ça pour que ça soit viable déjà. Ouais. Et que ça me coûte pas forcément 3000 euros pour faire une trotte prépa. Quoi. C'est ça, c'est ça. Et donc après, toi, tu la trouves bien comme ça ou tu as encore envie de la modifier? Alors oui, moi, le but, c'est de modifier. Après, le problème, c'est les 84 volts. Ouais. Passer en 84 volts nominal. Donc c'est ça, on n'a pas expliqué, je ne sais plus si on a expliqué en début de vidéo. Donc là, on est en 60 volts et le but, c'est de monter à 84 volts. Voilà. C'est ça. Pourquoi? Pour nominal. Pour pouvoir atteindre les 100 km/h comme son groupe Facebook. C'est le nom de ton groupe Facebook d'ailleurs. Je peux me rappeler. Dualtron Mini 100 km/h. Dualtron Mini 100 km/h. Donc là, tu vas. Les prochaines évolutions, c'est en 84 volts. Ouais. Et mis à part la batterie, t'as envie de faire autre chose ou... Après, il y aura sûrement une modification contrôleur obligatoirement. D'accord. Parce que là, c'est des MOSFET qui peuvent résister jusqu'à 85 volts d'origine. Mmh. Donc il y aura sûrement un changement de MOSFET, de condo, un shunt pour envoyer plus de patates. Bon, les moteurs, c'est les 1000 watts qui sont censés, ils peuvent encaisser. Ça va encaisser. Ils encaissent. Ça va encaisser. En fait, les moteurs, ils encaissent beaucoup de voltage, mais il ne faut pas leur envoyer trop de puissance que celui-là d'origine qu'on... Ouais. Voilà. Si c'est les 30 ampères, il faut leur envoyer 30 ampères max. Il ne faut pas aller jusqu'à 50, ils risquent de chauffer, de cramer. Et tu m'as parlé tout à l'heure de flasques moteurs avec des disques. Tu as l'intention de passer avec des freins à disque aussi ou pas? À voir sur le 84 volts. Ouais. Mais oui, les freins à disque seront nécessaires pour 84 volts. Hein. Avec d'accord, la puissance okay. que j'aurai. Moi, je me dis que 1 volt, 1 km/h. Ouais. Là, je suis en 67 volts, je fais 68 km/h, 70 chargé à fond. Ouais. Donc, je me dis qu'un volt, 1 km/h, il faudra quand même que ça freine. Ouais, c'est ça. C'est quand même plus sécure. Voilà, exactement. Même si ça freine déjà parfaitement comme ça. Hein. Ouais. Bah, avec les deux freins électriques, même avec les tambours. Les freins électriques, moi, je les ai réglés pour pas fonctionner. En fait, ils fonctionnent à partir de 80%. D'accord. C'est pour éviter la génération de jus. Pour éviter de cramer soit le BMS, soit d'avoir un retour sur les contrôleurs. Cramer les contrôleurs. Donc, à partir de 80%. Ouais, au début, c'est 100%
juste frein tambour, et après, c'est... et après ça passe en électrique. Voilà. Bon, bah c'est cool. Ouais. C'est cool. Bon, bah j'espère que la vidéo vous a plu, les gars. Surtout, donc, pour ceux qui veulent le plus de renseignements, n'oubliez pas, dans la description, il y aura tous les liens de la chaîne YouTube de Bastien, du groupe Facebook de Bastien. Donc, n'hésitez pas à rejoindre son groupe, à regarder ce qu'il fait sur sa chaîne YouTube. En toute fin de vidéo, je vous montrerai un petit peu des petites séquences vidéo qu'il a fait sur sa chaîne. Pour ceux qui veulent voir toute la procédure un petit peu, ça vous met un petit peu l'eau à la bouche. Ses modifications de batterie, etc. Comment il a bricolé. Et puis voilà. On n'oublie pas le code JeffRide pour avoir moins 5% sur tout le site FastRide. Et je vous dis ciao, ciao. Ils m'ont dit tout à l'heure, oh putain, il y a un gars, il fait des burns de ouf devant la boutique. Je suis, ah bah c'est bon, j'ai compris. Je sais qui c'est. Ah oui, t'as un velcro. Ah, j'ai la dorsale derrière. Ah ouais. Ah ouais, carrément, ah ouais. Ouais. Ah ouais. Tombé sur le dos, c'est fini. Comme quoi, on dirait pas, mais il est équipé. Ah ouais. Ah, par contre, les coudières, franchement. Les coudières, elles sont là-bas. Eh, je te jure, hein, tu tombes avec ce manteau, je suis déjà tu tombé, pleures. Mais il a bien résisté, hein, franchement. Ah bah, putain, franchement, moi, j'aurais les boules. Tomber avec ce manteau là pour l'abîmer et tout. Ouais, ça va. Ça va. En fait, ça sent déjà la gomme, ça burn. Ah ouais, c'est un avion. C'est dans la boîte. C'est rien, elle est solide. C'est rigolo, hein. Ah ouais, c'est marrant. Je te jure, c'est super rigolo. Comment ça burn tout le temps. L'avant, il se déleste. Ouais. Mais tu peux toujours contrôler, en fait. C'est marrant. C'est ça. Tu sens que t'as plus d'adhérence devant. Mais avec le guidon. Que tu sois bien gainé, que tu tiens bien. T'en fais ce que tu veux. Exactement. À droite, à gauche. Et tiens. Mais je pense que, par contre, que tu roules sous la pluie ou pas du tout. Jamais. Jamais. Là, elle est pas étanche. Attends, à cet endroit-là. Sur route humide, là, vu la puissance déjà sur route sèche. Ah, et tu glisses. L'avant il part, oh, en fait je suis obligé de mettre le P7 à 4. Ouais. Parce que sinon ça burn trop de l'avant. Ouais, c'est ça. Et P7 à 4 ça burn plus. Ouais. Et en fait j'ai une accélération normale, quoi. J'ai les deux moteurs qui se gèrent automatiquement. Parce que là elle envoie de ouf. Aussi vous pourrez regarder, les gars, sur le groupe Facebook, les gnomes de Lyon. Gnomes de Lyon. Ouais, il a fait une dual. Alors, et voilà, il y a une dual True Mini, mais lui il a mis deux decks l'un en fait, sur l'autre. Il a deux dual True Mini, ouais. Et il a deux au dos. Donc il c'est a ça. Un au dos pour l'avant et un au dos à l'arrière. Voilà, et il a pris un autre deck qu'il a collé en dessous. Il a pris deux mini qu'il a mis en dessous, et voilà. Je suis à d'origine. C'est ça. Mais par contre, elle pèse plus lourd, parce qu'il a deux batteries d'origine. Ouais. Il est en 52 volts, donc il monte à 60 km/h max. Ouais. Et il est obligé d'actionner les deux gâchettes. En même temps, parce qu'il n'a pas... Moi, j'ai bien relié un mètre un esclave pour avoir la gâchette, pour avoir les deux contrôles. Mais je pense qu'il savait... Enfin, peut-être qu'il ne sait pas c'est qu'on peut les... pour brancher les pour deux les relier. Sur, hein. Ouais, voilà, en fait, le problème, c'est que tu ne peux pas mettre deux batteries sur un au dos. Parce qu'en fait, les deux contrôleurs ne vont pas gérer la même tension. D'accord. Je sais pas si... Je vois. Va croire que quand il va accélérer, il va être à 50, ouais. 50. Et l'autre, il va à 51. Ouais. Il ne va pas comprendre. Ouais, aussi, je vois. Contrôleurs. Non, t'inquiète pas, je comprends très bien. Les deux se gèrent ensemble parce que le plus VCC, donc c'est celui-là qui allume la trottinette, ouais. Ils aient la même tension. Sinon, ça allumera pas un contrôleur. Ouais, y a pas de souci. Moi, ça me rappelle, j'aime bien tout ça parce que, mais faut que ça reste vraiment de la custom de particulier. J'aime bien parce que moi, je t'enverrai d'ailleurs, je sais pas si t'as vu, je vous mettrai le lien de la vidéo là en haut à droite. J'avais fait aussi une Ito bimoteur et avec des contrôleurs de mini motors que j'avais relié, tout ça, etc. Et c'est marrant, c'est fun, j'adore les passionnés comme ça qui bricolent à mort leur trotte et c'est une passion. Même si ça prend du temps, voilà, c'est un passe-temps. Pendant un mois, deux mois, j'en ai pas fait. Ouais. Quand elle a été montée, j'étais heureux. Ah oui, heureux comme tout. J'ai vu les premières vidéos que tu as postées. Ouais.
où tu faisais des burns, je pense que tu étais devant chez toi et tu as fait un petit stoppie ouais, et tu t'es fou. Je suis tombé. Hein. Et t'es tombé. J'ai coupé la vidéo parce que je suis tombé et j'ai tapé un petit peu la jante. Ouais. Et j'ai coupé pour pas qu'on voie, mais j'ai fait un stoppie les premiers freinages et en fait je l'ai mal contrôlé. Ouais. Et elle est quand même partie comme il faut en avant parce que ça. Bon, pas grave, mais ça freine quand même un peu à l'avant. Hein. Ouais, ça freine. Ouais. Donc voilà. Bon bah c'est cool. C'est cool, je te remercie. Et le dos et l'affichage. La spécificité des fils, parce que c'est surtout en fait comment relier le câblage, trouver le signal de l'accélérateur comme c'est une gâchette. Donc il suffit de brancher le plus VCC, donc c'est le range. Donc au plus VCC en fait, donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai modifié mon câble de haut dos. Donc voilà. J'ai modifié mon câble de haut dos. En fait, j'ai relié, donc j'ai refait des fils, j'ai recommandé un câble de haut dos neuf. Et j'ai récupéré juste les câbles. Et donc, j'ai relié le bleu et le jaune, l'orange. Donc, l'orange, c'est le plus VCC. Et le bleu, c'est le signal. Donc, c'est ce qui va allumer le contrôleur c'est ce qui va allumer le contrôleur, c'est le plus VCC. Et ce qui va gérer le signal, donc c'est le bleu. En fait, c'est quand vous allez monter de mode 1 à mode 2 sur le haut dos, lui il va dire faut passer en mode 2, et ben c'est le bleu. Et donc le fil vert, donc c'est l'accélérateur. Donc il faut bien le relier, sinon on pourrait pas accélérer. Et ensuite pareil pour le frein. Donc moi j'ai fait mon câblage hein, avec des cosses propres. Donc du coup j'ai mis deux, parce que comme du coup maintenant j'ai donc le frein avant. Donc de la Dual Tour Mini. Du coup, j'ai mis, du moteur, j'ai mis un petit poignet frein zoom avec un petit capteur magnétique. Que j'ai mis un petit serre-câble, essayer de faire ça propre pour que ça freine. Ça freine très bien. Et donc le câblage est un peu différent. En fait, il faut relier donc le signal de frein en enlevant le plus 12 volts, parce que c'est juste un contacteur 12 volts, hein, un signal 12 volts qui arrive sur le contrôleur en le fil blanc. Faut le repiquer sur donc c'est celui-là, faut le repiquer, pour ça j'ai mis une petite cosse propre. Et après faut refaire en fait deux retours pour deux poignées, deux contacteurs. Comme ça j'aurai en fait dès que j'appuierai sur une ou sur l'autre, ça m'enclenchera les deux freins. Par contre je pourrais pas justement avoir qu'un frein. Donc avoir le frein soit à l'avant, soit à l'arrière, j'aurai automatiquement les deux.